Comment? Bon, déjà, 20e année exceptionnelle dans tous les sens. Il est important que pour la fin de l'année, ben, festivités nous organisent quand même d'une manière assez différente de ben, l'année précédente. Et ce qui est intéressant, c'est que la Noël peut coïncider avec un an opération métro. Et nous pensons pour organiser une activité autour du métro, mais également festivités de Noël. Raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. Et là, tout à l'heure, nous retrouvons le Premier ministre qui peut venir avec ben, les autres collègues ministres et parlementaires. Et nous pouvons faire le trajet de Rosil à Port-Louis, accompagné de mes enfants. Parce que quand nous causons Noël, c'est certainement mes enfants. Et là, nous pouvons faire le trajet ici à là-bas. Pour nous, en même temps, nous célébrer ça un an là. Et qu'on a le Port-Louis, là-bas, pour avoir le spectacle culturel comme on a l'habitude de faire chaque année. Ce qui est intéressant, cette année, nous pouvons prendre ben, beaucoup ben artistes, ben tête d'affiche. Nous pouvons faire autres sont ben chansons de Noël, ben chorale. Et après, là, nous prenons un deuxième volet du spectacle que nous prenons les autres têtes d'affiche à la Ramanissan et autres, que nous pouvons faire un spectacle normal, une chanson normale. Grosso modo, c'est ça qui nous paye. Ben, il y a pas mal d'artistes, il y a une dizaine d'artistes qui pour performer en stage cet après-midi au Coda. Ben, tout à fait, comme toujours. Pour nous, quand on organise une activité, que ce soit pour la Noël ou ça ben les autres occasions, c'est une occasion pour créer une plateforme pour un artiste. Parce que pour un artiste, vous avez une plateforme pour être évoluer et également pour être capable d'être rémunéré. Et pour nous, c'est ça qui nous recrée pour autres, c'est de nous autres à l'espace là, de nous autres à l'environnement là, de nous autres à la plateforme là, pour être capable de performer contre rémunération bien sûr. Vous pensez que nous mettons une bière dans la culture mauricienne. Et une même raison qui fait que moi, Mujao, nous peut organiser aujourd'hui, parce que avec fréquentation, avec quand c'est Djiboun qui voyage par métro, c'est tout à fait naturel et légitime que quand nous fait un an, que ben parlementaire, que le Premier ministre lui-même, lui fait le trajet avec ben enfants, avec le membre du public, pour nous capables en même temps nous montrer que le métro aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait partie du quotidien de tout ben mauricien. Les amis de la presse, merci d'être présents en fosse. Alors nous avons un événement aujourd'hui c'est nous pouvons célébrer un an l'anniversaire métro quand tu commençais transport de passagers. C'était en décembre 2019, comme je te rappelle. Et aujourd'hui nous pouvons célébrer ça aussi avec la Noël. Et là nous avons trois trains qui finissent décorer. Et que nous soyez ben passagers, nous pouvons mener dans sa event qui prenant la rade pour lui environ 6h30 par là. Donc nous sommes là, encore 6h à partir de 6h. Et le métro lui-même, comment vous trouvez, c'est un projet qui c'est beaucoup de challenge, mais il a une opportunité. Et que donc là, nous finissons plus de. Environ presque 3 millions de passagers qui nous pour transporter bientôt dans les semaines à venir, dans les jours à venir. Et aussi nous finissons vendre plus de 100 000 micardes. Et bientôt là nous parlons le 4 bornes à partir d'avril 2021. Et que donc, bon voyageur pour capable travel, pour capable voyager depuis Quatre-Bornes pour venir pour lui en moins de 25 minutes. Bon, en termes de nombre de passagers, comme je connais, avant, nous avons commencé, nous avons 17 000 passagers. Les temps de Covid, nous avons arrêté nos opérations. Après, nous recommençons, nous avons passagers qui diminuer complètement. Les lignes augmenté. Là, nous avons presque achevé notre target. Hier, nous avons un nombre de records de passagers qui nous voyageaient. D'après une report et donc nous bien positif. Le métro c'est un projet national, c'est un projet qui aussi nous travaillons en collaboration avec tout bon stakeholder concerné. Et que le métro c'est pas juste un projet de transport, c'est un projet de transport intégré et de sustainability. Comme je connais là à côté, nous finissons de construire le Eben Recreational Park qui fait inaugurer récemment. Et pour nous, Eben Recreational Park, il est juste là, il est 300 mètres depuis sa station Rosil là. Bon, en termes de passagers, nous arrive environ 10 000 passagers juste après Covid.
Là, nous peut contenir 10 000 passagers par jour et que ça peut augmenter et que nous avons espoir que ça pourrait s'augmenter. Tout d'abord, laisse-moi dire que nous faisons un trajet bien agréable, sorti Rosil pour venir pour lui, ensemble avec nos enfants. Et vous pouvez dire aussi qu'il est formidable qu'à Maurice, nous sommes capables d'organiser une célébration, nous sommes capables de fêter la Noël dans les conditions qui nous connaît, en toute sécurité ici. Parce que grâce à des mesures que le gouvernement prend, nous réussissons à contenir la contamination de COVID-19. Surtout quand nous guettons les autres pays qui peuvent arriver. De manière, dans les autres pays, aujourd'hui, ils ne sont pas capables de célébrer Noël, l'année et dans le confinement. Alors, je suis bien content pour surtout les enfants qui attendent avec beaucoup d'impatience la fête de Noël. Et bien sûr, pour toute la population dans son ensemble. Et vous pouvez dire, cette année-là, nous toujours donnons l'attention particulière aux célébrations de Noël, surtout l'aspect culturel et religieux. Et tout à l'heure, nous prenons un paroissien qui pour chanter une chorale, nous prenons un artiste aussi qui pour performer. Et je suis content, félicite aussi le ministre Avinash Tilak et tous les membres qui organisent donc une fonction qui peut organiser pendant cette période-là. Je suis toujours dit, parce qu'ils ont dit nous pouvons innover, nous pouvons associer ensemble avec la célébration de Noël, Métro Express. Parce qu'en même temps, nous pouvons célébrer un an l'anniversaire de Métro Express depuis qu'on commence à y passer. Et donc c'est une très bonne initiative, une très bonne innovation qui nous permet. Et l'idée montrer aussi que manière Métro Express peut contribuer énormément dans la vie de nos citoyens. Le ministre Ganou fait dire moi hier, c'est dans un nombre assez important, record, on va dire, si ça y est passager. Et donc, Dimoun peut trouver vraiment ça l'avancement qu'il nous fait en termes de transport public et qui manière Métro Express vraiment peut de plus en plus peut jouer un rôle encore plus important au niveau de ce rôle de transport public. Et donc, je suis bien content de dire bon anniversaire aussi à Métro Express et qui, bien sûr, nous tenons un long parcours, nous continuons dans sa direction-là. Et je veux aussi saisir l'occasion, puisque nous arrivons dans un moment de fin d'année, quand tout le monde pense à bonne fête. Nous aussi, comment nous dire, nous donnons l'attention à toute bonne fête religieuse. Et la Noël, nous pouvons ensemble aller à Codan pour partager un moment avec nos enfants. Je suis bien content qu'ils nous organisent aussi pour que nos enfants aient un cadeau. Dans différentes stations, j'ai participé et tout à l'heure nous pouvons donc gagner ça plaisir pour être parmi les enfants. Et me rappelle tout le temps la Noël quand nos petits enfants, nous toujours attendre la Noël avec impatience. Donc
Je souhaite donc un joyeux Noël à tous vos enfants, à tous vos Mauriciens dans nos républiques et aussi à l'étranger aussi, qui peut écouter nous donc de l'extérieur et qui peut passer un moment très très difficile à l'extérieur. Ben quand même, nous avons une pensée pour eux. Joyeux Noël et joyeux Noël à tous vos camarades journalistes qui pendant une année fin suivent nous, fin avec nous, fin couvert. Bien sûr, nous avons une activité. J'espère que vous connaissez votre travail, parce que les moments de travail, mais vous avez un petit temps aussi pour passer en famille, surtout. Merci. Oui.